conseil du Pampia Banana Malagas, un accord en vue. La deuxième rencontre entre les principaux protagonistes devrait aboutir à un accord politique visant à conduire le pays vers l'apaisement, a annoncé le président du conseil du Pampia Banana Malagas, CFM, Mac Alphonse, dans une déclaration faite à la presse au siège du CFM à Peflou. Cette réunion a vu la présence des représentants des anciens présidents, à savoir Marc Ravalman, Didier Ratsirak et André Duel, ainsi que ceux de l'actuel chef de l'État. Le CFM prévoit même d'organiser un sommet essentiellement malgacho-malgache et basé sur l'approche présidentielle. Mac Alphonse s'est toutefois abstenu de s'aventurer sur les termes de ce processus de médiation, préférant rassurer les opinions en indiquant que ce sommet, placé sous la bienveillance d'un comité technique composé entre autres par les membres du CFM, a pour objectif principal de permettre à toutes les parties de parvenir à un compromis et trouver ainsi un meilleur dénouement à cette crise. Un comité de suivi devrait en conséquence être créé afin d'assurer de la mise en œuvre de ce fameux accord. Cette deuxième réunion qui s'est déroulée à l'annonciature d'Ivanch a eu pour ordre du jour la tenue d'élections transparentes, inclusives et acceptées par tous. Il appartient toutefois aux parties prenantes d'en déterminer les modalités, la structure ou encore l'entité ayant pour mission de l'organiser.